Bonjour la VOD, bienvenue sur ce Geomerding Fight du dimanche, on commence aujourd'hui, mettez un commentaire intelligent et dites-moi quelque chose que je ne sais pas bien sûr en dessous, c'est pas du tout pour le référencement. Merci Ravilan pour le sabo Ferashi Kitsune, Vince pour les 3 mois de sub, merci beaucoup. Je suis là, très bien, ok. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. Oui. Florence? Oui. Florence? Oui, je suis prête. Ok. Oui, vous avez bien vos bloc-notes, hein. Moi, j'ai une petite feuille et un petit stylo, au cas où. Ah, très bien. Tout ce qu'il faut. Très bien. Alors, merci Antoine pour le rappel. De rien, Florence. C'est vraiment pour toi que je le rappelle, alors, bien sûr. C'est la première. Oui, bien c'est sûr, vraiment chaque évidemment. Semaine, c'est bien pour sûr, moi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, eh bien, 3, 2, 1. Let's go, les gars. Enjoy. On se parti. Et c'est parti, les amis. Pour ce Geomerding Fight du dimanche, sur les chapeaux de roue, c'est extraordinaire ce qui se passe, n'hésitez pas à clipper surtout. Déjà ras le cul. Alors. Je viens d'où là? Du chemin de la corbeillerie. Chemin de la corbeillerie, bien sûr. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici? Rire de droite. C'était vraiment le challenge de trop, ouais. Mais il n'y a pas d'entrée de ville ici? Peut-être là-bas? Parce que... Mais au secours? En fait, c'est pas une ville? Mais au secours? Je sais faire... Te mettre... Cyril Martineau. Le Grand Givry. Ok, on va quand même le noter. Le Grand Givry. Ouais. Au secours. Mais c'est quoi cette route où il n'y a aucune info, là? C'est une route un peu importante. Enfin, importante. C'est pas non plus... Attends, il n'y a pas un truc, là? Genre ça, c'est quoi? Oui, d'accord. Je vois le dos. Mais... Il y a... Rien en fait. Pourtant, c'est typiquement le genre de route, on n'est pas au. Enfin. Il devrait y avoir au moins un petit panneau, quoi. Chabri. On vient. C'est les 5000. De l'ouest. Ouais. Ok, ça va sentir le retour à la case départ, on va pas se mentir. Eh oui, Monté a dû avoir des infos, effectivement. Que je n'ai pas. Mmh. Déjà du backseat au bout d'une minute, bah c'est ban définitif, hein, tout simplement. C'est pas time out, hein, c'est ban définitif, les amis, qu'on soit très clair, histoire que ce soit très dissuasif, bien sûr. Effectivement, c'est écrit dans le titre, hein, donc on peut pas dire qu'on vous a pas prévenu, évidemment. Évidemment, désolé que l'ambiance soit aussi délétère dès le départ, les amis. Je sais que ça dégoûte et tout, mais c'est comme ça, hein, bien sûr. Centre-ville. Je peux pas aller par là. Mais putain, mais y a aucune info en fait. Y a rien. Non, vraiment, y a rien. Chabri, je sais pas où c'est. Chabri. C'est un nom qui me dit vaguement quelque chose. Attends, y a pas un truc là? Non, c'est de la bite. Très honnêtement, je ne comprends pas pourquoi y avait pas d'info. 1 minute 48, il me reste. Parce que là, y a des. Ah, alors peut-être. Ah, Romorantin, je sais plus où c'est. La D4, oui, mais direction Paris, oui, mais enfin bon, ça peut être indiqué de loin, ça. Et ça, Châteauroux et Limoges. Ah. Châteauroux, c'est là, Limoges, c'est là, Chabri, c'est là. Chabri, je viens de la D35 et on vient de l'ouest. Ok. Et je viens, c'était quoi le nom? C'était Chemin de la Corbeillère. Chemin de la Corbeillère. Le voici, le voilà, chemin de la Corbeillère. Est-ce que ce serait pas mon point de départ? Ça retourne au point de départ? Je pense que si. Il y a de fortes chances. Est-ce qu'il y a ce petit chemin juste ici? Tout à fait. Nous sommes là, les amis. Bonne chance à toutes et à tous. 3 mètres. Ok. Oh. Ah, c'est mieux comme ça. Merci Bobby Courgette pour les 3 mois de sub. Merci beaucoup.
Vince pour les 3 mois. Merci beaucoup. J'avais le code postal 36 sur un panneau. Mais 36, je sais plus ce que c'est. C'est l'Indre tout court ? Merci Cosmo Kuroa pour les 1000 bits. Si j'arrive à finir ma map world sur GeoGuessr, tu pourras l'essayer. Hashtag Team GeoGuessr. Hashtag Team GeoGuessr, au secours, ne dis plus jamais une chose pareille, s'il te plaît. Mais oui, si tu l'envoies sur le Discord, peut-être, oui. On était dans l'Indre, effectivement, à la frontière avec le Loir-et-Cher. Merci Swergald pour les 9 mois de sub, merci beaucoup. Hashtag Team GeoGuessr. Au secours. Mais oui, merci beaucoup Cosmo Kuroa. Merci Kaelis pour les 14 mois de sub. 5 mètres. C'est bien vu. Oh Justin. Oh. Oh, oh bah Justin alors. 4 km 4. Oh non. C'est juste impossible. Oh c'est drôle. Oh là là. On l'avait jamais fait. J'ai mute monté en fait. En vrai, j'ai pris tous les chemins, tous les pires chemins. C'est-à-dire que je suis allé vers le bas. Ensuite, je suis encore allé vers le bas. Et ensuite, quand je suis arrivé sur la D4, je suis allé vers le haut. Ce qui fait que j'ai vraiment passé toute la game à pas avoir d'infos. Et c'est une fois que je suis arrivé au rond-point. J'ai mis un petit temps avant de trouver des infos intéressantes, hein, ceci dit. Mais oui. Moi, je suis arrivé pareil. Tout au nord et je suis tombé sur une borne au bord de route qui est, où c'était écrit à gauche c'est de la borne. Morphia pour les 4 mois. L'Indre et de l'autre côté, Loir-et-Cher. Donc sur la borne en béton, c'était écrit que c'était la bien distance. Bien joué. Merci Faco pour j'ai le sub. J'ai vu commune de celle sur chair et donc je sais où c'est celle sur chair. Ah oui, j'aurais su celle sur chair aussi, mais je suis arrivé à Chabri en fait, Chabris, mais du coup, mais voilà. C'était un peu compliqué. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour la suite ? Oui. Pour l'instant, Justin est bon dernier, hein, bien sûr. Alors 30 secondes, 30 secondes. Ah, oui, un plaisir. Oui, on t'attend, Florence. Mmh. Moi, je savais juste qu'on était entre Limoges et Paris, donc c'était un peu. Et j'avais vu la ville marquée Romorantin, et avec un peu de chance, elle se voyait bien sur la carte. Moi, j'ai vu Châteauroux aussi. Châteauroux m'a aidé. Merci Fall pour les 4 mois. Le village de Chancol, il est très chelou parce que genre la grosse rue qui passe au milieu, c'est la frontière entre les deux départements, et donc du coup, il y a des rues de ce village qui sont pas dans le même département. Je vois même pas de quelle ville Chancol, tu parles. Tu dis, c'est où ça ? Je vois même pas où c'est Chancol. Tu zoomes, il y a une certaine valeur de zoom juste au-dessus du point. Il y a Chancol. Vous m'avez entendu ? Ah oui, on t'entend, ouais, France. Ouais, ok. Ah oui, effectivement, ça passe pile au milieu. Pile au milieu, la frontière, effectivement. Ah, ok. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite ? Oui. Tout à fait. Eh bien, 3, 2, 1, let's go. Alors. La rue basse, bien sûr. Dans quelle dans quelle métropole ? Ouais, bon, on va partir dans l'autre sens. Ah, Saint-Marcel, pays. J'arrive pas à lire. Me dites pas, taisez-vous. Saint-Marcel. Bon, je sais pas écrire. Sur la D45. J'ai toujours pas écrire. J'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit. Pays, juste. Je sais pas ce qu'il y a écrit. Pays, juste T. Qu'est-ce que tu dis, toi ? Vitré sur M. Jusset. C'est peut-être pays Jusset. Hein. Vitré sur M, D44. Ok. Montigny, les ch... Ouais. Je vais aller par là. Montrer sur M, sur quoi ? Sur Vitré, sur Marne ? Sur quoi ? Ce M, que veut-il dire ? Sur Meuse ? 11 mai. Mais comment c'est possible, en fait ? Attends. Si je crois savoir comment c'est possible. Rire de droite. Admettons. C'est peut-être la Haute-Marne, dans ce cas-là. Montigny est vitré sur M, je sais. S'il a trouvé aussi vite, c'est qu'il connaît... Ou pas. Je ne sais pas. Lusy-sur-Marne.
Les vitrées sur Marne, est-ce que ça existe, ça? Ça joue méta, bah tout à fait, hein. Bon, ça part d'être ça, hein, ceci dit. Hein. Je suis en train de faire de la merde. Ok, bon, allez, salut. Là, du coup, je reviens à Saint-Marcel. Au secours. Rosière sur M. Non. Allez, une info, là. S'il connaît... Comment il a fait pour trouver aussi vite? C'est pas possible de trouver aussi vite sans connaître, en fait. Et s'il connaît, je me dis que c'est un truc qui vient de son coin, là. Sauf que j'ai regardé vite fait, j'ai pas vu. Donc là, on arrive à... C'est quoi le nom? J'ai raté le panneau d'entrée. Oui. C'est sur quoi? Sur Mance. Je sais pas où c'est. Je sais pas où est la Mance ou le Mance. Je ne sais pas. La Mance. Mance. Je sais, hein. Je sais pas où c'est. Combo Fontaine. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouge. Mais ça n'existe pas. Combo Fontaine. Ouge. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, ça va être le gros coup dur celui-là. Attends, je lui sais. Vu. Je lui sais. Oh. D44, D45, Saint-Marcel. Oh. Alors peut-être. Ok, retour au point de départ. Ce clutch est incroyable, les amis. Merde. Ouf, 14 mètres, j'ai eu très très chaud. Ouais, j'avoue. Super chaud, quoi. La rue basse, elle est là. Putain, par contre, j'ai du mal à comprendre comment c'est foutu, les trucs, là. C'est pas ce bâtiment-là qui est ici? Oui, ici, je dois être là. 10 mètres, c'est bon. Bah voilà. Rire de droite. On en parle quand tout le monde a fini, monté. Merci Louiso pour évidemment. Le sub. Mayals pour les 7 mois. Axel pour les prime. Junior pour les 5 mois. Akoda 08 pour les 3 mois. Kukitas pour les 2 mois. Fal 111 pour les 4 mois. Capucine pour les 2 mois. Bah alors Justin. Ah ouais non là. Justin c'est pas un joueur France après. Non, là, ça me rappelle que j'ai plein de trucs à faire et je vais peut-être m'arrêter maintenant en fait. Qu'est-ce qui s'est passé, Florence? D'accord, okay. C'est Freeway Rondo pour le sub. J'ai fait 165 points. Oh, tu t'es placé où? Voilà. Je suis. Alors, en fait, le problème c'est que j'ai vu Vitré et j'étais contente. Je me suis dit, Vitré, je sais où c'est, sauf que il y avait un Y, sauf que je savais pas du coup tout où était le Vitré avec un Y. Ah. Et c'était au fin fond de cette Haute-Marne. Ah non, on n'est même pas en Haute-Marne, pardon. Mais en fait, quand Monté a trouvé très vite. Quand Monté a trouvé très vite, j'ai dit, c'est. Voilà. En fait, je me suis dit. En fait, c'est ça qui m'a aidé. Vraiment, je me suis dit, il y a qu'une seule façon pour qu'il trouve aussi vite avec des noms de villes aussi paumés, c'est qu'il les connaît, en fait. Il les connaît. Et la seule façon qu'ils les connaissent, c'est dans ce coin. Et c'était dans ce coin, effectivement. Il n'y a pas de culture, c'est ce que vous entendez? Ah, bah, et pour. Oui, ça. Alors, faut savoir. C'est littéralement. Pourquoi je connais cet endroit, alors. Vas-y. C'est parce qu'en fait, je sais que Guillaume Meurice a grandi à Jussey et que c'est un village frontalier de la Haute-Marne. Ah, bah, parce que tu connais la Haute-Marne. Tu connais la Haute-Marne. Parce que tu viens de Haute-Marne. Oui, mais c'est-à-dire, c'est parce que moi, j'y suis jamais allé dans ce coin-là. Enfin, je veux dire, c'est le coin où tu vas pas. Je suis allé vite faire à Guyonvel faire de la crobranche, mais c'est pas. Oui, bien. Mais tu vois, c'est déjà bien, tu vois. T'as déjà Slumdog la crobranche, tu vois. Merci à Danaël pour le prime. Déjà Slumdog la crobranche. Oh merde. Complètement. Incroyable. Monté, est-ce que tu peux juste parler un petit peu parce que t'es trop faible, en fait, au niveau du son. Monté? Qui oui, voilà. Moi? Oui, toi, oui. Tu veux que je gueule plus fort? Non, putain. Oh, non, c'est bon. Est-ce que c'est bien, Florence, comme ça, est-ce que tu m'entends? Aussi, Mati Bouga pour le prime. Lemon Peck pour les deux mois. Bon. D'accord. J'aurais pas dû t'augmenter, en fait. J'aurais dû te laisser comme ça. Tant pis, mon chat, je t'aurais pas entendu.
Jussel, vous voyez quand même de vraiment assez loin. Oui, c'est ça. Comme j'ai vu plein de panneaux, comme j'ai vu plein de panneaux avec marqué pays de Jussel partout, je me suis dit ça doit être quand même un bled qui doit se voir un peu sur la carte. Plus l'indice monté a fait que en recoupant ça, ça a été l'indice monté complètement. Mais moi, c'est vraiment quand monté a trouvé aussi vite que ça m'a vraiment carré quoi. Par contre, j'ai failli faire une grosse connerie comme monter a trouvé très vite et qu'il y avait des trucs sur M. Je me suis dit, oui, moi aussi, sur Marne, est-ce pareil. Que je vais longer toute la Marne. Moi, je l'ai longé un peu. Peut-être une grosse connerie. Là même, je l'ai longé un peu la Marne aussi, mais c'était sur Mans en fait. Bon, j'ai fait cette connerie. D'ailleurs, aussi, ce qui est franquet, ce que je viens de me rendre compte, c'est que dans la région, il y a la Mans et il y a l'apostrophe la Mans aussi. Ah oui, d'accord. Rien à voir. Quel enfer. Ok, je suis prêt pour la suite, messieurs dames. Ouais, moi aussi. Pareil. Oui, moi aussi. Prise psychologiquement, mais prête. Eh bien, 3, 2, 1, let's go. Ah, bon, ça. Flaubert, hein, bien sûr. Autain et son maire geek. Attends, c'est où déjà? Là. Autain, c'est là. Arleuf. Attends, Autain. Ouais, Autain. Arleuf. Où est-ce que c'est? Arleuf, c'est là. 978, elle est là. J'ai pas un croisement? Si, avec la 157. Là, il y a la 177. Moi, je veux la 157. Là. On est là, à peu près? Oui. 2 mètres. Hop, on est bon. Bon, celui-là, ça devrait le faire pour à peu près tout le monde, je pense. Après, si tu sais pas où est Autain, après. 2 mètres. Bien joué. Petit don't move. Mais après, il y avait toutes les infos qui étaient là. 2 mètres. Et 57 km pour Justin. T'as fini, Justin ? Par contre, quand on va tomber sur la map Thaïlande... Pas du tout. Ah, ça a pas fini, ok. Merci Kato Cochon pour les 4 mois. Oh, Justin, là, c'est la dégringolada. Bon, c'est bon. 3 mètres. J'ai pas vu le croisement. Ah oui, oui. Mais par contre, le chemin au nord qui est pas sur la carte, je me suis quand même posé la question, quoi. Bah, j'ai vu qu'il y avait l'intersection avec la 150, je sais plus combien, 57, là, et puis c'était bon, quoi. C'était ok. Ok, bah c'était speedrun celle-là. Bien joué à tous. Oui. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Merci Flaubert de m'avoir appris. Ah oui, Flaubert. Le maire geek d'Autun, bien sûr, tout à fait. C'est ça. Exactement. C'est vraiment grâce à Flaubert que j'ai réussi ce point. Hein, Flaubert qui vient de Autun, bien sûr. Quel plaisir. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Oui, tout à fait. Oui. Eh bien, 3, 2, 1, go! Oh là là. Putain, c'est dans mon département, enfin là où j'habite. On est dans quelle ville? Ah. Suresnes, c'est dans ce coin, Suresnes, normalement. Pourquoi je le vois pas, Suresnes? Allô? Suresnes. C'est pas par là, Suresnes? Fous de ma gueule, il y a Nanterre, Rueil. Vaucresson-Garches. Mais Suresnes? Fous de la gueule du monde? Je suis bourré ou quoi? Je passe dessus sans le voir, hein, complètement, c'est ça. Après, il y a beaucoup de mots. Hein. Garenne-Colombes, Manière-sur-Seine-Colombes, Gennevilliers, Courbevoie, Nanterre, plutôt. Pour moi, c'est la défense. Ah oui, Suresnes, merci. Ah, au secours. Hein. Donc, ça, c'est quoi? C'est Collège Henri Sellier? Est-ce que je le vois? Là, je vois le lycée. Où est le collège Émile Zola? Donc c'est pas celui-là. Où est le collège? Bon, après sinon, attends, je veux juste voir le nom de la rue, sinon. Gustave Stressmann. Ça c'est quoi ça? C'est une halle? C'est quoi? J'ai l'impression qu'on est quand même dans le centre-ville, mais... Henri Sellier, hein. Et le nom de cette rue, c'est quoi? Je pourrais pas le lire, je pense. Non. Rire de droite. Collège Henri Sellier. Mais merde, au secours!
Théâtre de Suresnes, Jean Villard. On doit vraiment être dans le centre-ville de Suresnes, là. La plus belle ville de France. Pas du tout. Douze mai. Putain, je l'ai pas. Hein. Rire de droite. Ça va jusqu'où, Suresnes? Oh putain, c'est fat. Au secours. Hein. Au secours, je n'arrive pas à me retrouver dans la ville. 4 mètres. Oh là là, c'est affreux. Hein. Oh, le Jean Villard. Il est là. C'est bon, le voilà. C'est bon. Je suis pile au milieu, là, entre les deux, là. Là. 3 mètres. C'est bon. Ce qui spoil, c'est ban définitif, hein, je l'ai dit tout à l'heure, hein, les amis, bien sûr, évidemment. Définitif, hein, c'est pas une timeout, les modos, s'il vous plaît. Hein. C'est vraiment, on n'arrête pas de le répéter au bout d'un moment, il faut arrêter, je pense. Merci Maïkana pour les 7 mois. Nitro Tinek pour les 2 mois. Res 14-01 pour les 5 mois. 3 mètres aussi. Naru Karmic pour le Prime. Merci Baptiste pour le Prime. Merci Martin Sisyphe pour les 4 mois, merci beaucoup. Comme je le répète toutes les semaines, en fait le truc c'est qu'ici il faut vraiment être intransigeant là-dessus parce qu'il y a beaucoup plus de monde sur ce live que sur celui des 4 autres personnes avec lesquelles je suis. Et du coup il y a infiniment plus de chances pour qu'il y ait des gens qui aient des connaissances ou qui voient des choses sur la carte, plus que chez les autres, forcément puisqu'on est plus nombreux. Et du coup, forcément, c'est très unfair, en fait, pour les autres. J'ai pas envie qu'on dise que je gagne parce qu'on spoil dans mon chat, en fait. Même si je lis pas trop pendant les games, je préfère vraiment éviter le truc, quoi. Donc je suis très sévère là-dessus. Désolé. Merci Angolexa pour les 11 mois de sub. Merci Waden82 pour les 4 mois. Voilà, c'est pour ça que c'est très probable de tomber... Voilà. J'ai beaucoup plus de chances quand je suis en France de tomber à côté de chez quelqu'un du chat que n'importe qui d'autre dans la game, en fait. Et du coup, qui va avoir des connaissances qui, possiblement, pourra spoil. Donc faites attention, s'il vous plaît. Juste, vous pouvez dire « je sais où c'est » ou des trucs comme ça, tu vois. Mais dites pas « c'est là où on l'a vu, c'était à gauche, machin, tout ça, quoi. » Ou « à côté de telle ville, machin. » Dites pas ce genre de choses. Ça n'a aucun intérêt, en plus. Moi, je tire la satisfaction du fait que j'ai réussi à trouver le truc, tout simplement. Merci Jar Jar Bern. Jar Jar Bern pour le Prime, merci. J'ai envie de me tabasser les boules. Aïe, 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 aïe. J'ai jamais trouvé la ville, en fait. Sur la map, allez. Je veux dire. Aïe. Sur ouais, la map. Ouais, moi, elle était mal indiquée sur N, effectivement. Ah, écrit peut-être. J'ai trop galéré. J'ai attendu de trouver un panneau avec indiqué Saint-Cloud au sud pour trouver la ville, parce que sinon, je savais que je voulais pas passer 4 minutes sur la map à essayer de chercher cette ville. C'est ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, mais en fait, il n'y avait que l'arrêt de RER qui était marqué, en fait. Oui. Sur la mini-map, il n'est pas marqué sur elle. Si, c'est écrit, mais c'est une certaine valeur de zoom, et c'est écrit en plus petit que les oui, autres voilà, après. C'est ça, mais voilà. Ça va être une valeur de zoom très particulière. Carrément, c'est ça. C'est une commune ou c'est un quartier? Non, c'est une commune, c'est une ville. C'est une commune, ouais. C'est une ville, ouais. Merci Cosmo Curva pour les 100 bits. Lollipop TV pour les 8 mois, merci beaucoup. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour le dernier round de France, les amis? Oui. Oui. J'ai démonté. Pardon. Monté. Oui. Ok. Et bien, 3, 2, 1, let's go. Et oui, Suresnes, c'est une plutôt grande ville. Hein. Le Suisse. Le Suisse, Pinet, Blanchard. Bon, tout ça, c'est des lieux dits, hein, bien sûr. Ok. Oh non, ça va être que des lieux dits. Mais oh là là. Oh, je suis en enfer. Oh non, ça va pas le faire. Adieu les 25 000. Ça va être le coup dur celui-là. Oh là là. Je sais même pas dans quel sens je suis parti. On va continuer à descendre. Oh là là.
Oh là là. Allez, sors-moi de là, je t'en supplie. Oh là là. Putain. Il y a des petits ânes. Je crois que c'est des ânes que j'ai vus. Bon, peu importe. Putain, mais où est-ce que je suis? Au secours. Bruzac. Ah, Zach, hein, Bruzac. Du coup, bah, je pense que c'est par ici. Bruzac. T'habites là, t'es pépère. Oui, mais t'as pas internet, hein. Peut-être que si. Bruzac. Oh là là, au secours. Mais au secours, hein. C'est vraiment, c'est horrible. Je viens de là ou pas? Je sais même pas d'où je viens. C'est affreux. C'est affreux. Il est vachement bien ce point en tout cas. C'est incroyable. J'adore mon perso. Ah ah ah. Saint-Laurent du Pape. Du Pape. Salon d'Avignon peut-être? Tu penses pas. Hein. Saint-Laurent du Pape. Non. Hein. Pas illogique hein, ce que je réfléchis, mais. Non, je sais pas où c'est. Gillac et Bruzac. Saint-Laurent du Pape. D266, mais bon. Vernoux en Vivarais, Saint-Georges-les-Bains. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Je sais pas du tout. Hein. Plutôt D232, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Saint-Georges-les-Bains, Vernoux en Vivarais. Je connais rien de tout ça. Le Vivarais, je sais pas ce que c'est. Il me reste 1 minute 50. Oui. Avignon, c'était les papes. Bah, c'est ça, en fait. C'est pour ça que je cherchais vers Avignon. Mais, c'est pour ça que je me dis peut-être, mais je sais pas. Je crois pas qu'il y ait trop de villes en hack là-bas. Hein. C'est ça le truc, quoi. Ah, si, il y a Pouzillac là. Ouais, mais j'y crois pas trop, moi. On va remplacer le point de départ en plus. Ah oui, non, mais là, de toute façon, le 5000, c'est mort dans tous les cas. Mais on va essayer de faire du damage control, hein, si on peut. Waouh. Très joli coin, bien sûr. Aucune idée. Je ne sais pas où c'est. Je ne connais pas mon pays. Mon pays. Ah, la même chose, hein. Saint-Georges-les-Bains... Vers nous en Vivarais. Vers nous en Vivarais. Aucune idée. Oh là là. Vas-y, 7 secondes, ça sert à rien que je bouge. Eh bien, un coup dur. Allez, ça va être coup dur là. Je ne sers plus à rien que je bouge. Aucune idée. Le Raguet. 216 km. Ah, j'aurais dû me placer 135. Oh, 266. 3 km. Ah ouais. 242. Waouh. Mais on était vers Valence, d'accord. Oh là là. Ah, terrible. Mais comment t'as trouvé, Justin? Ouais. J'ai poncé tous les parcs autour de l'Auvergne. Ah, l'Auvergne. Parce qu'on aurait dit l'Auvergne. Bah, c'était une forêt, quoi. Ouais, c'était plat, il y avait rien. Non, c'était pas plat du tout, justement. Alors... C'était pas plat du tout. Je veux dire, il y avait des petites collines, mais c'était pas vraiment. C'était pas l'Auvergne, c'était pas assez grand pour l'Auvergne, quoi.
Ouais. Merci Barbartichot pour les deux mois de sub. Vous savez, le bled avec indiqué mairie. Non. Et moi, ouais, coup, j'y suis allé dès le début, je me suis dit, je vais à la mairie. Maxime pour les 6 mois de sub. Et 30 secondes avant la fin, pour les 4 mois. Et en fait, c'est un cul-de-sac juste à l'enfuri pour les 2 mois. Ah non, moi j'ai rien eu. Enfin, si, j'ai eu des noms de villes que je connaissais pas. J'ai eu. L'Auvergne-Plate, vite fait quand même. J'ai eu Gillac et Bruzac, Saint-Laurent-du-Pape, Saint-Georges-les-Bains, Vernoux, Envivarais. Je connais rien de tout ça. Ah, t'as eu des noms de bled, toi, quand même. Oui, mais ça m'a pas empêché de faire plus de 200 km, mais oui, complètement. Tu savais pas où était Vernoux en Vivarais, franchement, quelle honte, Antoine. J'avoue. Ça s'appelle pas le Lord Geogasseur, par hasard. J'avoue, c'est la honte. Montée pour l'instant, qui passe premier. Ensuite, je suis deuxième. Troisième ex aequo, c'est JD et Justin. Et quatrième, c'est Florence, pour l'instant. Et nous allons Justin passer... Justin qui arrache la victoire au score Geogasseur. Oui, grâce à ce dernier round. Grâce à ce dernier round, effectivement, malgré la médiocrité de ses deux premiers scores, bien sûr, évidemment. Un régal, bien sûr. Évidemment. On va passer en Europe, les amis. Bien sûr. Le challenge termine par CG. Ouais, je suis prêt. Oui, tout à fait. Je suis prêt aussi. Oui. Prêt CG, également. Ouais, CG, ouais. Vivarais, c'est l'Ardèche, d'accord. Yes. Je retiendrai. C'est faux. J'ai entendu parler du Vivarais alpin, et donc du coup, ça m'a vachement prank, en fait. Ah, terrible. Terrible. C'est à qui de faire le décompte, là? C'est à angle droit. Angle droit. Tu t'y as fait. Alors, vous êtes tous prêts? Oui. Très bien. Alors, 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti. Alors, Roumanie. Ça ressemble à la Roumanie. À la Bulgarie un peu aussi. À la Grèce même, plutôt. Attends. Macédoine? Ah non, c'est la Grèce, hein. C'est bien ce que... J'ai bien lu ce que j'ai lu. Je crois que c'est du grec, quoi. C'est ce que je viens de voir. Au secours. Si c'est du grec, c'est au secours. Évidemment, il n'y a pas d'entrée de ville. Je suis peut-être pas parti dans le bon sens, là. Attends, je vais peut-être partir vers le sud. Ouais, c'est la Grèce. La Grèce. Ok. Ah. Est-ce que c'est le nom d'une ville ou c'est le nom d'un magasin? Est-ce que... Amabxeo? Je sais pas si... Je sais pas si c'est le nom d'une ville ou pas. Je vais le noter au cas où. Amabxeo. Aucune idée. Aucune idée, bien sûr. Tu n'as pas fait grec au collège? Non, pas du tout. Alors, je suis incapable de lire le grec. Le grec, c'est terrible sur Geogasseur pour le coup, la Grèce. Ah non, ça, c'est de la bite, ça. Petit village qui n'est pas du tout pas allemand, non. Attends, c'était quoi? Ça disait quoi, ça? J'ai même pas le souvenir qu'il y ait des numéros de route en Grèce. Ah si, il y en a. C'est juste qu'elles sont pas... Je les ai rarement vues indiquées. En fait, ce qui serait cool, ce serait de voir la mer quelque part, mais ça, voilà. Un vieux petit village à 3 bornes, ça va pas trop m'aider, ça. Par contre... Attends. Déjà, je vais essayer de noter ce que je vois là. Mova Otnpaki, bien sûr. Alors peut-être. Pas du tout. Une intersection avec rien indiqué, vraiment? Really. Compliqué. Hein. Oh, ça va être terrible, là, la Grèce. Est-ce que je peux tomber sur Chypre ou pas? Non, Chypre n'est pas Street View. Et clairement, c'est des panneaux Grèce. Grec, pardon. Bah là c'est la sauce. Hein. Oui, la Crète est sur Geogasseur. La plupart des îles grecques sont Street View. Mais bon, comment je pourrais savoir où est-ce que je suis, quoi? Lake Kirkinis, le lac Kirkinis. Kirkinis.
Ouf. Kirkney Lake. Catoporia. Pas du tout. Oh, énorme. 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 Attends. Je viens de la gauche. Move out, Paki, machin. Mandraki. C'est ça. Mandraki. Est-ce que je viens pas de Neo-Chori ? Retour au point de départ. Ah, c'est grave possible que je vienne de Neo-Chori. Ah, quoique en termes d'inclinaison de rue. Je me souviens plus comment j'ai fait et tout. Affreux. Si, j'avais tourné. J'étais allé vers le sud, je crois. Ouais, j'étais allé vers le sud. Et là, j'étais arrivé à une cette intersection-là. Ah putain, j'avais pas vu ça. Putain, j'avais pas... Bon, après, c'est pas très grave, mais... Mais du coup, je viens d'où, moi? Je viens clairement de par là, mais je sais pas trop d'où. Kirkini. Parce que ça correspond pas à l'inclinaison des routes, là. Je crois pas que je viens de là. Oh là 4 mètres. Oh, bien monté. Il a fait les 4 mètres. Peut-être ça. Ouais, vas-y, j'y crois. Il y a une église en plus, là. On va dire que je suis là. Non, j'en sais rien. Vas-y, on fait le test. Pouf. 5 mètres. 6 mètres. 1 km 8. Ok. Compliqué quand même, hein. Merci Abisso pour les 6 mois ouais. De attends, le mec il a fait 5000 et il dit c'est compliqué quand même. Ah bah il était compliqué le point. T'as fait combien Florence? Très dur ouais. Bah moi j'ai fait de la merde, moi j'ai fait 253 km. Bah tu vois que c'était compliqué. Kilomètres et pas mon nombre de points. Tu vois que c'était compliqué. J'ai terminé à la seconde et j'étais pas sûr d'être au bon endroit. Battiteur pour le prime. Pareil, la même chose que j'ai dit. Mais je sais même pas comment vous avez Little Man pour les 9 mois. J'ai trouvé un panneau avec les villes les plus proches. C'est grâce. Je les ai jamais trouvé quoi. Moi, ah c'est grâce. J'ai trouvé grâce au lac à côté qui était indiqué, qui s'appelait le Kirkney Lake, qui a été traduit sur un panneau. Et du coup, j'ai cherché un lac en Grèce. Et le premier sur lequel j'ai zoomé, c'était celui-là. Ah, oh, bien joué. Voilà. Oh, quelle chance. Bien joué. Moi, j'ai cherché un truc qui avait. Moi, j'ai eu les deux grosses villes là. Et puis après, j'ai juste cherché une intersection avec la route jaune qui correspondait à peu près en me disant j'espère que c'est celle-ci. Et c'est tout. Quoi. J'ai vraiment eu de la luck. Bah, ce qui est très étrange, c'est que le petit village du dessus, le petit village de merde, est indiqué de super loin et on voit le panneau de loin. De quoi, Catoporia ? Quand tu vas sur t'as raison, route. Ouais, t'as raison, effectivement. C'est le label pour 300 bits. Tout à fait. En tout cas, bien joué à tous, c'était pas facile ce point. Merci bien de ce qu'on pour être en mois de sortir de merde. Mais je lui tape un check. Mais tu as perdu de la distance. Simplement la honte. Oh, aucune honte. Mais visiblement, vous savez bien lire le grec aussi. Je connais par cœur. Plus que ça. Je connais par cœur. Ok, je suis prêt. Par contre, à aucun moment, la ville dans laquelle on est, il y a un panneau pour dire... que ah oui, non, jamais, évidemment. Ça. Absolument pas. Et l'intersection ouais, en haut, aussi, à aucun moment, ils disent « Si tu tournes à droite, tu vas là-bas. » Pareil. Ah oui, moi, je suis parti vers le aussi, sud. Ouais, moi, je suis parti vers le sud, pour le coup. Donc, compliqué. Est-ce que vous êtes prêts? Hello, Ponce. Ouais. Oui. Ok, et eh ben, 3, 2, 1, go, alors. Non, mais Florent, ça va s'en sortir. C'est juste, c'était vraiment un point pas facile. Hein. On l'a pas eu ce point récemment. Si, on a déjà eu ce point, tout à fait. On a complètement déjà eu ce point. Et mais sauf que je me souviens plus de ce que c'était. Et moi, je me souviens, je crois. Voilà, c'était. Ah, je sais plus où est-ce que c'est la vallée de l'Oise. Botte du Hainaut, je me souviens plus. Mais là, t'as le l'Oise, machin. Je me souviens plus de ce point. Mais il y avait un prank, je me souviens, avec l'Oise. Haute vallée de l'Oise. Rire de droite. Vallée de la Wart, ouais, l'affluent de l'Oise. Attends, l'Oise remonte par où en fait? C'est ça la question. L'Oise, c'est par là. Ou l'Oise continue. Est-ce que rire c'est encore l'Oise? Ouais, l'Oise continue, elle continue. Tac, tu continues comme ça. On arrive dans le nord. Le canal de la Sambre à l'Oise.
Attends. Là, le Assembre à l'Oise, ouais. Putain, je me souviens plus. Ah non, l'Oise continue par là. Pardon. L'Oise. L'Oise, elle est là. Et là, du coup... 6 mètres. Rue de la Wartoise. Ouais, je sais plus. Non, moi je me souviens plus comment on avait trouvé. Et c'est pas la France, hein. Je pense qu'on est bien en Belgique. Forge Philippe. Voilà. Forge Philippe est là. Retour au point de départ. Et du coup, c'est quoi le nom de la rue? C'est la... La... Ouais. Pardon? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, ce serait pas ça? Ça a l'air d'être ça quand même. Ça a l'air d'être ça. Je veux être sûr. Il y a la Sainte Vierge là? Ça a l'air d'être la Sainte Vierge ça. Si vous voulez mon opinion, c'est la Sainte Vierge ça. Oui, bon, allez, c'est là. Hein. 4 mètres. C'est bon. Oui, on l'a déjà eu ce qu'on a dit. On l'a déjà eu complètement. Hop. Merci Pierre pour le sabre offert à Ponce. Et la bise à toi Ponce. J'espère que ton tournoi MK s'est bien passé. J'ai enchaîné juste après. Ce timing incroyable dont on parlait l'autre soir. Merci Crestock pour les 6 mois de sub. Shift pour les 8 mois. Merci beaucoup. 4 mètres, je vais faire pipi. Déjà. Oui, c'était la fois où on tombait souvent vers Chimay, tout à fait. Vers Couvain, Chimay. Quatre mètres. Bravo. Très piégieux, le Hainaut, très vieille région historique qui recoupe le nord de la France et une partie de la Belgique actuelle. Bien sûr. Un Geomerding Fight spécial noob un jour. C'est-à-dire... Avec des gens qui jouent pas beaucoup. Bah déjà, je sais pas trop qui serait chaud pour ça, puis surtout, je jouerais pas contre eux, quoi. Ce serait pas très sympa, quoi. Re. Avec sa malétienne. Re. Re. Tout le monde a fini? Non. Oui, moi j'ai fini, moi. Ah bon, t'as pas entendu du tout, Florence. Ah, t'as fait les 5000, bien joué. Oui, oui, j'ai fait les 5000, ouais, j'étais la première à les faire. C'est vrai? Avant monter? Oui. Ah putain, mais t'as été trop vite. Je crois... Ah, je sais... ah, je suis pas sûre. Ah, c'est peut-être pas avant monter. Peut-être, je sais plus. Ah, ok, ok. Quoi? Okay. Non, 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 elle disait juste qu'elle avait fait les 5000 en premier, mais je demandais si c'était avant toi, mais il me semble pas. Bah, pense que je m'en suis pour jouer à ça. 20 secondes, je dirais. Je sais où t'es. Non, bah, je me souvenais plus trop, mais je me souviens que c'était pas dans l'Oise, je me souvenais de ça en tout cas. Du coup, j'ai pas cherché le prank. Ça. Oui, tout à fait. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Oui. Oui, tout à fait. Oui. Bien, Florence, tu nous fais le décompte. Justin, je t'ai pas entendu. Ouais, je suis prêt. Ok. Alors, 3, 2, 1, go. Et c'est parti. Robot Pobo. Bien sûr. Robot Pobo. C'est quoi, c'est Renault Novo? Est-ce que c'est la Russie? Est-ce que c'est l'Ukraine? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est la Bulgarie?
Oh là là. Ça va pas le faire, hein. Ah. Attendez, très important. Je suis dans la ville de... Nxnk. Mm-hmm. Ne me traduisez pas, bien sûr, comme à chaque fois. Ne me traduisez rien, s'il vous plaît. Pardon ? Et... Pico. Pico, bien sûr. Pico... Oh là là, c'est affreux. Bon, bah c'est top en tout cas. Bon, je vais au moins mettre mon point. Voilà, je me mets vers Kharkiv. Affreux. Affreux, affreux, affreux. Ça veut dire coup dur en russe, je crois. Tout à fait. Ok. Mais encore. Il nous prévient pas sur quoi... Vous arrivez là. D'accord. Non mais là, c'est juste l'entrée de ville de merde. Ok. Putain, il y a... Affreux. C'est vraiment de la torture, tout simplement. C'est de la torture, les amis. Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir avant tout. Ah. Attends. Je sais pas, Mira, je sais pas quoi. Nira. C'est pas une grosse ville, ça, ou c'est genre un petit village à côté? Alors, c'est Ura, Ula, ça se dit Ula quelque chose, mais c'est pas ça. Mura, Mula, Nula. Mira. Oh là là. Oh là 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 là. 36-15 Ula, oh putain, au secours. Il y a des vrais boomers ici. Ah ! Non. Non. Putain. Dégueulasse, hein. Dégueulasse. Oh là là. Non, qu'est-ce que je fous au Kazakhstan, moi ? Il me reste 50 secondes. C'est énorme. Non, j'ai rien. Ça va être terrible. Hein. Le fait qu'ils me répondent pas, ça veut dire que ça va pas être terrible pour eux. Au secours. Hein. Non, je... Tu l'as ? Mais non, mais c'est pas ça. Ça y ressemble, mais c'est pas ça. Non, c'est le pif complet, celui-là. Complètement au pif, celui-là, pour le coup. Il me répond toujours. 7 mètres. Ouais, voilà. Putain, j'ai un... C'est pas possible au bout d'un moment. Je veux dire, il faut arrêter les choses comme ça. Évidemment. 1037... 1037 kilomètres. Comment t'as fait, Justin ? C'est chiant, Antoine. Aïe, aïe. Alors, vous allez me détester, mais il y a les fleurs blanches qui nous donnent un peu la région non. De... Si, si. Le mec non. Est botaniste, non. Allez, salut. Non. Non, c'est non, non, non. C'est... Les fleurs blanches. Putain, mais là désolé. Où on était, genre... Je suis désolé. Pskov et Saint-Pétersbourg, jamais indiqué, quoi. Et du coup, les fleurs blanches, ça veut dire quoi, en fait ? C'est qu'on est en Estonie ou pas très très loin, et la voiture était russe. La Google Car était russe. Au secours. Ok, je raccroche ma carrière de jeu guesseur. Oh là là, au secours.
Non, j'ai mis mon point au pif et c'était celui-là, du coup. Non, 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 non. Ah, c'était Luga, elle est là, celle-là. Moi, je me suis mis en Ukraine, putain. Moi, je me suis mis à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Oh là là, ok, très bien. Putain, les fleurs, là, il faut que je me souvienne. La méta fleur blanche, ouais. On me demande dans le chat, Justin, comment tu savais que la Google Car était russe? Parce que l'antenne est longue. Attends, voilà, voilà. J-Pep. Et il reste combien de gasoil dans le réservoir, tu sais, à peu près? Trois quarts à peu près. Tu parles Attends, mais je cherche... Voir, ouais, c'est ça? Moi, je vois même pas la voiture, c'est quoi l'antenne? C'est ouais, alors, l'antenne, je vais vous dire. Là, ouais, c'est le petit trait qui dépasse... Ah, ça, à l'arrière, là. Voilà, voilà. Ah, et ouais. Donc ça, c'est la Russie, ça? Quand elle est grande, c'est la Russie, ouais. Après, il y avait du fer partout, donc ça... Est-ce que si on est en Russie, elle est forcément grande ou pas? Ou est-ce que ça pas veut juste dire que si elle est grande, c'est la Russie? D'accord, ok. C'est pas systématique, ouais. Ok, ok. Mais si elle est grande, c'est qu'on est en Russie. Mais par contre, c'est pas parce qu'elle probablement, est pas grande... Ouais. Incroyable. Il faut que je retienne ça. Exactement. Les fleurs blanches estoniennes, frontières russes, et la longue antenne de Russie. Oh là là, incroyable. Ok. Ouais. Merci Tainerac pour les 3 mois de semaine. Dans mon chat, d'ailleurs, vu l'ombre des arbres, la photo a été prise à 11h37. Effectivement. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Oh, putain, incroyable. Oui. Ouais. Ouais. Bien, 3... non, c'est Florence. Oui, oui, mais tu me piques mon rôle. Vas-y. 3, 2, 1, go. Il y a du monde pour les fleurs blanches, mais pour les villages en Haute-Saône, plus personne, hein. Oh. Incroyable, faut que je retienne ça. Les fleurs blanches, putain, mais c'est incroyable. Oh non, ça suffit. Ok. Oh là là, mais en plus, quand il... Oh là, ok, je peux pas aller par là. Rire de droite. Énorme. Énorme. Horrible. Ah, allez, c'est parti. Donne-moi un truc. Ok. Les agents. Pizza emportée. Je vois. Aucune idée. Attends, il y avait quoi là? Gahar. Au secours! En train. Sens de B, Saint-Aubin. 7 mètres. Oh, oh là là, mais comment c'est possible? Comment? Je peux dire que ce petit conifère m'a beaucoup aidé. Bien joué. 02. La Zac Saint-Fiacre, rue des Landes. 02, bah, c'est peut-être plein d'endroits différents. Ah, surtout, là, j'ai pas les infos intéressantes, quoi. J'ai pas lui perdre l'ombre source encore. Après, je vais certainement pas revenir à un point de départ vu la gueule qu'il avait. Comment c'est possible? Au secours. Oh là là, y a rien pendant 1000 ans. Ah. Non. Non, non, non. Toujours rien pendant 1000 ans, bien sûr. Daubigné, mais je ne connais pas... C'est Rennes que je vois, là? Alors,
Alors peut-être. Je sais pas. Ah, Saint-Aubin-d'Aubigny, oui. Oui, Saint-Aubin-d'Aubigny, c'est là. Sens de Bretagne, oui. Gare, 175, elle est là. Gare, c'est où? Gare, c'est là. Et je viens de... C'était quoi les lieux dits? C'était la... le bois vieux... du Vieux-Vie, la fontaine d'Abîme. Au secours. Hein. Ah, le bois de Vieux-Vie, c'est là. Retour au point de départ. 2 mètres. Terrifiant. C'est peut-être ça, ou ça. Attends, si je vais par là. Non, là, ah, t'as un croisement avec un truc. Bah, oh non, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est bon. Normalement, c'est bon. Genre là. 4 mètres. Merci, je suis Christophe pour les 4 mois de sub. Super Alpaca pour les 2 mois. Merci beaucoup. Le beau jeu. Notre belle Bretagne, c'est lui dit. On était en Bretagne directement ou pas? C'est pas très loin de Rennes, mais est-ce qu'on était en Bretagne? Je ne crois pas, non. Ah si, si, complètement. Si, si, on est en Ille-et-Vilaine. Bien sûr. Si, si. 5 mètres. Après, il y avait pas les noms n'étaient pas typiquement bretons, genre... Ploum et couille. Ah, si, Zokei, 9 pour les 800 bits. Hein. Je suis Christophe pour les 600 bits. Hein. Toum 39 pour les subwoofers à Cassendal. Proche de Fougères, pas très loin. Ouais. Pas très loin de Combourg, Fougères. Entre les... Entre... Vous avez fait pour trouver précisément, mais bien. Bravo. T'as fait combien, Florence? 3 kilomètres. C'est pas mal, c'est pas si mal, ouais. Parfait, quoi. Bah en fait, il y avait le nom, le bois de Vieux-Vie, c'était le nom du lieu dit sur lequel on était, et la rue était indiquée, en fait. Ah, mais je l'ai pas vu, ce panneau-là, cette indication. T'as commencé en allant à droite, peut-être, non? Et tu t'es Ah, moi, je suis allé full à droite, hein, tout le long. Moi, je suis allé à droite tout le long. Oh, l'enfer! Ah, pareil. Oh, l'enfer! Moi, je suis allé à gauche. Regardez le début. À gauche. Enfin, je crois... Ah non, non, je dis de la merde. Non, je suis allé à gauche, pardon, je dis de la merde, pardon. D'accord. Il y avait vraiment 4 clics à faire et c'était YOLO, quoi. Je suis prêt. Je suis prêt aussi. Pareil. Je Pareil. Suis prêt aussi. Alors, 3, 2, 1, go. J'ai peut-être pas les plaques d'immatriculation, elles sont floutées. Putain, mais c'est la France. Encore. Les abattis, les plaques d'immatriculation sont floutées dans ce jeu. Et même, je connais pas les numéros de département. Même, tu peux te faire prendre quand il peut y avoir une voiture qui vient d'ailleurs. Putain, la map Europe full France quasi. Alors attends. Le petit Paris. Ah, je me dis. Attends, D126. Le petit Paris. C'est vrai. Quand on le voit comme ça, on se dit que effectivement, je vois pourquoi ça s'appelle comme ça. Saint-Léger-des-Bois. Mm-hmm. Mais encore. Je connais pas. Je connais pas tout ça. Saint-Léger-des-Bois. Saint-Augustin-des-Bois. Saint-Georges-sur-Elle. Saint-Martin-du-Fouillou aussi. Hein. Au secours. Salut Julien. Petit Paris. Ah, attends. Ok. Nantes, Angers. Ok, alors attends. Rire de droite. Saint-Laurent du Montet. Putain, au secours. Saint-Georges-sur-Loire, c'est pas ça ce que j'ai vu? Saint-Georges-sur-Loire, sur elle, oui. Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Martin-de-Fouillou, du Fouillou, ouais, c'est là. Et la D126... Nulle part... Et c'était quoi le nom de la ville? C'est le Petit Paris, hein. Ouais.
Saint-Georges-sur-Loire est à ma gauche, plus ou moins. Ouais. Saint-Martin-du-Fouillou est par là. Bah. Le Petit Paris. Ah, le voilà. Je me disais bien aussi. D126, les abattis. Ils sont là, les abattis. Vu, retour au point de départ. T'as fait 2 mètres, c'est ça? Oui. Ok. Alors attends, c'est lequel? Est-ce que c'est ça? Je crois pas que ce soit ça. Attends. Non, on est dans un virage. Celui, ça ressemble... Ah, ça pourrait être ça. Ah non, à moins que... À moins que ce soit plutôt ça. Les buissons ardents. Mais attends. Ouais, là, t'as les petites maisons. La haute bergerie, qui doit peut-être être ça. Ouais, bah alors du coup j'ai raté les buissons ardents. Ah, c'est peut-être ça les buissons. Ah, ça doit être ça. Oui, oui, c'est ça. Ok, c'est bon, je suis au point, je pense. Je dois être là. 4 mètres. C'est bon. Putain, Justin là qui a fait un round incroyable, surtout son truc en Russie qui nous fout dedans et qui du coup le fait passer full premier. Merci Diegilito pour le Prime. BitZM pour les 15 mois. The Lapi pour les 4 mois. Merci beaucoup. T'es à côté de Angers, en fait. Ouais. Mais c'est NIMP, c'est pas comment il fonctionne. Tu vas demander à Mister JD. Mais non, c'est pas NIMP, ça a été très réfléchi et calculé. Pas NIMP du tout. Et tu demandes sur le chat de Mister JD. Il t'expliquera sans aucun problème. Ah bah désolé. Ah bah oui, merci. Deuxième. C'est gentil. Demandez à Mister JD sur les points. Moi, demandez pas à moi. Comment sont calculés les points du classement général? Demandez à Mister JD. Demandez pas à moi. Ça parle des arbres dans le Giga Dossier, ah oui. Mais les fleurs blanches, là. Les fleurs blanches, hein. Bah, tant pis. RIP. Ah, dommage, ça. Ah, c'est bête. 94 km. 4 mètres aussi. Je suis pas parti du bon sens, mais manifestement. Mauvaise intersection. 234 J'ai croisé deux fois l'autoroute sans pouvoir canonner dessus. Ça m'a donné envie de crever. Ah oui, moi, je suis parti au sud. Et j'ai vu qu'on était entre Angers et Nantes. Voilà. J'ai vu les mêmes panneaux, ouais. L'intersection, j'ai trouvé aussi qu'elle était dure à avoir, en fait. J'ai l'impression que la route sur Street View, elle est vachement plus verticale que sur la carte. Elle est vachement plus vers le plein nord, quoi. Ah non, j'ai pas trouvé. Tu veux dire là où il y a le point? Ouais, ça m'a induit. Ah non, je sais pas. Non, c'était pas. Ouais, en gros, ce que je veux dire, c'est que la route paraît plus horizontale sur la carte qu'en vrai, j'ai eu l'impression, mais c'est bon, j'ai réussi quand même. Mais je comprends les galères d'intersection. Ça fait péter une durite quand t'as plein de panneaux de village et que t'as pas genre de panneau Angers, alors que ça a pas l'air très loin. Ouais, on est à côté d'Angers. C'est assez grand, quoi. Ouais. Très bien, et bien à l'issue de ce deuxième round, le premier est Justin. C'est sympa ce... Oui, round France en Europe, sympa, là. Round Europe, mais avec 3 points en France. Ouais, complètement, cool, ouais. Complètement. On a eu 2 points en France. Il y en a un qui était en Belgique. Oui, l'autre était en Belgique, Ah pardon, ah oui. Oui, je sais pas, c'est dézoomé. C'est pareil. Je sais pas, dézoomé, effectivement. Ouais. C'est pareil, c'est vrai. Pareil. Enfin, monter direct, c'est pareil. Oui, voilà. Moi aussi. Donc le premier est Justin. Deuxième, c'est moi à 1 point de Justin, ça dégoûte. Troisième JD, quatrième Monté, cinquième Florence pour l'instant. Merci à tous. Au revoir la VOD.